Et cette question euh, autour de ce qui ressemble à un tribunal arbitraire, alors on parle de termes, tribunal médiatique, n'est-ce pas plus un tribunal arbitraire, la démission hier de Julien Bayou, qui se défend avec ces mots, je le cite, il dit je dois démissionner parce que je suis accusée de faits qui ne me sont pas présentés, dont les accusatrices disent qu ne, que ces faits ne sont pas pénalement répréhensibles et dont je ne peux pas me défendre. Bah, – euh, Écoutez, c'est même fou, parce que quand vous relisez cette phrase, en réalité, il aurait dû dire « je ne dois pas démissionner parce que je suis accusé de faits que je ne connais pas etc. », etc. On est dans une situation tout à fait particulière, peut-être un point de bascule, c'est pourquoi je suis très content de répondre à vos questions, parce que c'est un sujet très compliqué, très grave, sur lequel je réfléchis beaucoup depuis longtemps, et pas seulement comme avocat. Et euh, là, j'ai vraiment le sentiment qu'on atteint une limite qui n'est pas acceptable. Pourquoi point de bascule Alors, point de bascule, parce que, si vous voulez, dans les accusations qui ont été portées euh, par Mme Rousseau euh, à la télévision, il y a quelque chose d'incroyable. C'est ce qui a été révélé le lendemain, mais qu'on comprenait à demi-mots dans son interview par Patrick Cohen, c'est-à-dire qu'elle a dit bah, le problème dans cette affaire, c'est que il n'y a rien de pénalement pour... Alors je rappelle la séquence, euh, Sandrine Rousseau est invitée de C'est à vous la semaine dernière, sur le plateau, au micro, publiquement, en direct, elle euh, accuse Julien Bayou d'avoir euh, une attitude de nature, je cite, à casser moralement une femme, elle dit avoir d'ailleurs reçu le témoignage euh, d'une ancienne petite amie euh, de Julien Bayou qui, dit-elle, a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses oui. jours... Euh, et pourtant, hors micro, là pour le coup, et non plus publiquement, elle dit aux journalistes présents autour de la table Non, non, mais en même temps, il n'y a rien de pénalement répréhensible. Oui, alors ça, c'est là où il y a une gravité, à mon avis, certaine de la situation dans laquelle on se trouve. Et évidemment, dans un débat où tout propos qui nuance la discussion est perçu comme manquant d'humanité à l'égard de la personne qui a fait une tentative de suicide, comme n'étant pas assez sensible à la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est exactement, à mon avis, le contraire. Parce que là, j'ai l'impression même que la cause risque d'être desservie. Moi, j'admets que, quand on est une personne publique, a fortiori en charge de responsabilités politiques, le secret de la vie privée tombe complètement d... on peut le de regretter, facto. de facto, mmh. quand il vous est reproché quelque chose de pénalement répréhensible même pas nécessairement très grave ne nuançons pas en revanche en revanche si on considère qu'on peut jeter en pâture sur la place publique un responsable politique mais je dirais quiconque un responsable politique pour des faits qui sont indéfinis et qui ne constituent pas une infraction pénale on franchi une barrière gravissime celle du respect minimal de la vie privée et des droits minimaux que chaque personne doit Quand avoir. Il